Tout au long de son histoire, la Cour de justice de l'Union européenne a veillé au respect de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et mis en œuvre des règles de non-discrimination pour garantir l'égalité de traitement au regard de la loi. Ainsi, par exemple, dans une affaire historique introduite en 1976 par une femme dénonçant l'âge de départ à la retraite obligatoire fixé par une compagnie aérienne à 40 ans pour le personnel navigant féminin, la Cour de justice a confirmé le droit des femmes à l'égalité de traitement avec les hommes sur le lieu de travail. Ce faisant, la Cour a souligné que le droit à l'égalité de traitement reconnu par le droit de l'Union pouvait être invoqué directement par les particuliers devant leur juridiction nationale. Plus récemment, la Cour de justice a jugé que le sexe ne pouvait pas constituer un facteur valable pour le calcul des primes d'assurance, garantissant ainsi que des facteurs plus pertinents au regard du risque assuré constituent la base des primes à payer. La Cour a également garanti un traitement équitable des minorités ethniques. Dans une affaire, la Cour a jugé que l'installation de compteurs électriques à une hauteur inaccessible dans des quartiers essentiellement habités par des Roms était discriminatoire. En dépit de l'augmentation des manipulations de compteurs dans ces quartiers, cette pratique offensante et stigmatisante allait au-delà de ce qui était nécessaire pour lutter contre ce problème. Grâce à des affaires telles que celle-ci, la Cour de justice a contribué à faire respecter les droits des citoyens de l'Union et a garanti à chacun d'eux la pleine protection du droit.